bonjour. 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 Alors, Solidaire d'abord, dans ces émissions qui vous sont proposées par Fréquence 7, qui ne sont pas pareilles, hein, différentes et tout. Et donc, là, ben, nous, on ne va pas parler comme les autres, hein, évidemment, parce qu'en ce moment, il ne vous a pas échappé, je pense, que toutes les infos qu'on peut avoir ont une drôle de couleur. Elles commencent à devenir un petit peu marron. Ça tourne à l'extrême droite quand même, un petit peu partout, sur les réseaux sociaux, mais à la télé, BFM, Hanouna, etc. Enfin, il y a tout ça en ce moment. Voilà. Alors, ce soir, on aura plusieurs sujets. On va avoir un sujet sur les ripoux, tous ces gens qui sont des gens très très haut perchés dans la hiérarchie sociale, qui se retrouvent à passer devant les tribunaux mais qui ne passent pas comme tout le monde. On va parler aussi donc d'abord rendre un hommage à Hervé Giot, une grande figure locale du MRAP, et on en parlera tout à l'heure. Et puis on va parler aussi de tout ce qui a à voir avec l'écologie, et, entre autres parce qu'il y a la COP28, parce que on a la chance ce soir d'avoir un expert, enfin je sais pas comment te présenter, hein, Pierre-Yves, mais c'est vrai que quelqu'un comme toi qui a une parole de la conf depuis très longtemps, engagé et qui représente la conf avec souvent des mandats de la conf, tu as évidemment une parole très chère, très très prisée sur tout, voilà, écoutée sur tous ces sujets là. Alors avant tout, moi je voulais rendre hommage à Hervé Giot. Je sais pas qui le connaissait autour de la table, on le connaissait tous, hein, c'était un type tellement à la fois gentil, à la fois direct, toujours clair. Enfin, moi, je sais pas, j'en garde un souvenir comme ça, d'un type absolument extraordinaire, voilà, extraordinaire, par sa simplicité et le côté direct qu'il avait. Il n'y avait jamais d'embrouille avec lui, avec Hervé. Enfin, je sais pas comment. Tu le connaissais, toi, Pierre? Oui, parce que quand on... Alors, une petite anecdote, allez vite fait. Quand on était plus jeune, on jouait au foot. Un vaisseau incroyable, Hervé, au foot. Ouais. Et lui, Hervé, il venait de Sedan. Et donc, à Sedan, il jouait en rouge et vert. Et à l'époque, il y avait les alternatifs. Ouais, d'accord. Bon, Hervé, quelqu'un sur la mixité sociale, son champ de travail, en gros, c'était vivre ensemble, hein, c'était le vivre ensemble à tous les niveaux. Donc il était de tous les combats, aussi bien justement sur la Palestine, dont on va un petit peu parler, mais il était aussi à Saint-Pierre-de-Colombier, par exemple. Pour lui, c'était pas normal qu'on fasse un truc comme ça, dans un territoire comme ça, sur des choses politiques aussi, mais surtout sur le vivre ensemble, enfin. Je sais pas. Il est venu beaucoup, beaucoup de fois dans ces émissions de Solidaire d'abord. Et moi, je sais pas comment dire. Voilà, pour moi, c'est vraiment quelqu'un, un partenaire hyper important, quoi. Une parole tellement agréable, sûre. Enfin, je sais pas. Voilà. Voilà. Désolé vraiment pour Hervé Giot. Et un monsieur comme ça, justement, cette pointure, cette humanité qui se dégageait de lui, enfin plein de choses comme ça, alors qu'on est dans un monde qui part complètement à volo sur toutes ces valeurs-là, entre autres avec ces ripoux qu'on a à tous les étages. Hein, tu voulais, je voulais en parler un petit peu. Oui, bon, tout le monde sait ce qui s'est passé avec Dupond-Moretti, c'est pas la peine d'y revenir en détail, mais bon, je voulais juste... je sais même pas quoi dire, tellement c'est désolant. Et puis tellement, ce qui est grave, c'est que ça a un impact sur la démocratie qui est très important. Et la Cour de justice de la République qui est un peu sur la sellette, parce que est-ce que c'est valide, ça, hein, ben, comme ça, dirait Naïm, un humoriste que j'aime bien, il dit « Toi, t'es jugé par une équipe. Lui, il est jugé par une autre équipe, la sienne. » Voilà. Voilà, tout est dit. Ouais. Voilà. Bon, on voit aussi Sarko repasse en appel, mais là, cette fois-ci, alors qu'il était condamné en première instance à un an ferme, en appel, le réquisitoire amène un an avec sursis. Là, déjà, on sent que ça prend une tournure où il va avoir la relax. Pareil. Hein. Voilà, c'est... Ouais. Et alors, Dussopt aussi, enfin bon, et tout. Et puis, parallèlement à ça, on a quand même Cahuzac qui ressort des... C'est incroyable, quoi.
Donc dans le même temps, on a ce qui se passe avec Sarkozy, ce qui se passe avec Dupond-Moretti, ce qui se passe avec Dussopt et ce qui se passe avec Cahuzac. Je voudrais juste lire un petit bout d'article de Fabrice Arfi de Mediapart. Donc il dit ces trois événements, parce qu'il n'a pas compté Sarkozy, mais bon, je pense que ça peut aller avec. Ces trois événements séparés racontent bien une même histoire. Le moment où semble s'accélérer le mouvement de délitement total du rapport que la démocratie française entretient avec l'éthique publique et d'effondrement de la confiance collective qu'un peuple offre dans l'heureuse diversité de ses convictions politiques individuelles à ses dirigeants. Voilà, je trouve que c'est bien résumé. Ouais. Mais je trouve que ce qui résumait bien aussi le truc, c'est ce que tu disais, Alain, tu voulais passer une annonce pour les gens qui iraient au gouvernement, non? Oui. Ah ben je me dis qu'au plus on est grossier, trafiquant, menteur, eh bien plus on a ses chances. Donc je crois oui, il faudrait mettre une annonce dans le journal. Recherche menteur, voleur, trafiquant pour un poste de ministre au gouvernement de Macron. Ouais. Et tu disais que dans l'arc républicain, qu'est-ce qu'on craint finalement? On craint les coups de flèche. Voilà. Bon. Alors, dans le cadre de ce que faisait Hervé Giot, il me semble que tu voulais parler aussi un peu de Rivasi. Je voulais rendre un petit hommage à Michel Rivasi, hein, qui était dromoise, qui était pas bien loin de chez nous, qui a beaucoup travaillé sur les questions de nucléaire. Et qui est intervenu souvent chez nous. Et qui est intervenu souvent chez nous. Moi, j'en ai un très bon souvenir parce que je l'ai eu comme prof. Ah oui. Et j'ai eu une chance énorme. T'en gardes, ouais, c'était, un excellent souvenir. C'était une pointure, vraiment une pointure. Et puis, même humainement, je veux dire, c'est quelqu'un qui était chouette. Et puis, elle l'a prouvé après par son engagement. Et voilà, moi, j'étais très triste d'apprendre son décès. Ouais, voilà. D'accord. Alors, on va un tout petit peu parler quand même de ce qui se passe en Palestine, parce que ça s'est pas calmé. Hein. Et moi, je voulais juste qu'on ait un petit extrait sonore amené par quelqu'un qui aussi est une très grosse pointure, que moi, je sais pas, pour moi, c'est un personnage extraordinaire. C'est Ronnie Broman, qui est né à Jérusalem dans les années 50, alors que ses parents sont arrivés en 48 au moment de la fondation d'Israël. Lui, il est né à Jérusalem. Il a été quand même président de MSF hein, en 82. Il a été vice-président de Reporters sans frontières, excusez du peu quand même. Hein, bonjour le mec, la carrière qu'il a fait. En 2006, sur une émission qui s'appelait Salut les terriens, qui était un petit peu, qui a à voir avec sans doute ce qui est devenu Hanouna par la suite, mais Hanouna, on va voir qu'il a d'autres dérives. Et ben, Ronnie Broman quand même arrive à cette émission et il dit qu'il n'aurait pas été favorable à la création de l'État d'Israël, lui qui est né à Jérusalem dans le cadre de cet État. On va écouter un extrait de ce qu'il nous dit. Israël persécute les Palestiniens, installe des colonies dont un certain nombre de membres sont de véritables hooligans, des nervis qui passent une partie de leur temps à persécuter des Palestiniens, à créer des barrages mobiles, à détruire des récoltes, à brûler des terres, à exproprier des gens des maisons, à chasser, là récemment encore, des Bédouins du sud de la Cisjordanie qui ont été chassés de chez eux, des habitants d'Hébron qui l'ont été également. Tout cela, ça se produit au quotidien et loin d'être sanctionné, alors que je rappelle que l'Union européenne a tout un train de sanctions qui sont exercées contre de nombreux pays dans le monde. Loin de faire l'objet d'une sanction, Israël est l'objet de récompenses par des accès économiques facilités au marché européen, qui est le premier marché auquel ont accès les Israéliens, enfin l'État d'Israël, par des félicitations d'une certaine manière, où quand par exemple on se réfère à Israël comme la seule démocratie du Proche-Orient, imagine-t-on un autre pays dans lequel la colonisation et l'apartheid font partie de la vie quotidienne et qui serait félicité comme une démocratie sans commentaire. Je ne dis pas qu'il n'y a pas dans Israël des aspects démocratiques. Il y a une liberté d'expression, une liberté d'association, mais c'est quand même essentiellement pour les Juifs en Israël. Donc on pourrait dire aussi, du temps de l'apartheid en Afrique du Sud,
que le régime sud-africain était démocratique pour les Blancs. Ils n'avaient pas, en effet, à s'en plaindre. De même que, là, encore qu'avec le gouvernement actuel, qui compte dans ses rangs des gens qu'on peut qualifier de néo-nazis, hein, des suprémacistes, racistes, exterminationnistes, qui sont d'une violence et d'un fanatisme quand même. Qui font... Le gouvernement a proposé, a évoqué la possibilité de bombarder avec une bombe nucléaire le. Alors il a été immédiatement recadré, désavoué, hein. Mais pas exclu du gouvernement. Hein. Il est toujours au gouvernement. Simplement, il a été effectivement une bombe nucléaire. Elle tue tout le monde, pas seulement les Palestiniens. Ou alors, faut inventer des atomes anti-palestiniens. Donc, c'était particulièrement ridicule. Mais sous les déclarations selon lesquelles il faut pas faire de quartier. Le président considéré comme un modéré, le président de l'État d'Israël, Isaac Herzog, considéré comme un modéré, qu'il était d'une certaine manière jusqu'à présent, nous explique que à Gaza, ne nous faisons pas d'illusions, tout le monde était au courant, tout le monde soutient le Hamas, donc tout le monde est complice de ces crimes atroces et tout le monde doit payer. Et cette idée que une punition collective doit être infligée, qu'on a le droit de tirer dans le tas parce que ce tas est hostile et qu'il faut donc le détruire, elle est exprimée d'un peu partout, au Parlement, au gouvernement. Voilà. Alors en France, ce que ça amène, c'est un truc du genre « la France a peur ». Parce que en ce moment, évidemment, toutes les grosses chaînes de télé, genre BFM, etc., nous expliquent qu'il y a des afro-islamistes qui vous guettent à tous les coins de rue. Et c'est ils sont en train de nous mettre un climat anxiogène absolument affreux. Alors que parallèlement à ça, par exemple, il y a quand même un vieux monsieur qui s'est quand même permis d'aller attaquer un franco-algérien à la gorge avec un cutter. Et c'était le 17 novembre. On n'en a pratiquement pas parlé sur les chaînes de télé nulle part, en l'attaquant, en le traitant de sale bougnoule. Hein. Donc là, c'était pas à l'Akbar, mais enfin, c'était pas terrible non plus. Quoi. Voilà. Et ce mec-là, qui a fait ça, il sera jugé dans 6 mois, entre-temps, il est libre. C'est quand même pas rien. Quoi. Voilà. Voilà, deux poids, deux mesures. Alors, évidemment, on arrive à ce sujet où, Pierre-Yves, tu nous as fait le bonheur de venir ce soir, donc on va parler de plein de choses sur lesquelles tu as plus de maîtrise que nous. Entre autres, la COP 28. Bon, voilà. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette COP 28 ? Moi, j'avoue que j'ai pas trop suivi, parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez ridicule de faire la COP 28, c'est aux Émirats Arabes Unis. Hein. Ouais. Tu vois, j'ai vraiment pas du tout suivi. Oui, j'ai un peu l'impression qu'un fabricant de cigarettes fait un colloque sur le cancer du poumon. Ouais. Après, en fait, on se rend compte qu'on est toujours dans la même histoire d'essayer de chercher des solutions pour verdir un système qui, en fait, c'est un problème systémique, mais on reste toujours dans les recherches techniques, comment faire pour polluer un peu moins, la voiture électrique, le ci, le ça. Alors qu'en fait, c'est une société qui est réorganisée et tout ce qui va avec. Et en plus, moi, ce que j'ai du mal à comprendre de la part des politiques, c'est qu'en fait, c'est un beau projet qui peut se présenter à nous. C'est pas du tout un projet moribond, triste, comme si l'écologie, c'était quelque chose de grave. Et plus grave que le réchauffement climatique, c'est la chute draconienne de la biodiversité. C'est-à-dire qu'en fait, on va se retrouver 86% des mammifères sur la planète sont les humains et leurs animaux d'élevage. Donc on est quand même dans une situation qui est hyper grave. Il y a la disparition d'oiseaux, d'insectes, etc. Et la réaction qui est en face n'est pas du tout à la hauteur des enjeux. Quand tu dis beau projet, tu penses à quoi, toi, en fait ? On pourrait réinventer un monde où, on travaille différemment, on ne soit pas dans des sociétés de productivisme, alors sans parler... En fait, la réaction de Macron, elle est intéressante, en fait, parce que lui, il dit, c'est soit on est un ultra-libéral, ultra-productiviste, et très gros consommateur d'énergie, soit on est un amish. C'est-à-dire qu'entre les deux, il n'y a pas de... Alors qu'en fait, au D2, il y a un méga boulevard. Enfin, c'est une 8 voies d'autoroute. Et il y a véritablement de quoi trouver. Parce que toute énergie, en fait, va demander, évidemment... Une énergie verte, ça n'existe pas. Donc il faut déjà
limiter la consommation d'énergie, c'est-à-dire éviter toute forme de gaspillage, donc éviter les transports, relocaliser au maximum, et faire en sorte... Et ça, ça ne peut être lié qu'à des mesures sociales. Parce qu'aujourd'hui, ce qui nous met en danger, en fait, c'est les mesures... D'un pays à l'autre, on n'a pas les mêmes mesures. Et en fait, c'est évidemment impossible de faire de la concurrence à des personnes qui travaillent pour 10 fois moins que nous. Donc à partir du moment où on mettrait, si on arrivait à avoir quelque chose de cohérent au niveau social, on pourrait alors se permettre de se dire, ben voilà, on va relocaliser au maximum et arrêter évidemment de gaspiller. Et puis évidemment, il y a un problème après d'objectif humain, parce que nous, on a été bercé sur le consumérisme, pour être heureux, il faut consommer, alors qu'en fait, non, il y a tout un tas d'autres choses qu'on peut faire, on n'est pas obligé d'être des gros consommateurs, on pourrait prendre du temps pour faire d'autres choses. Donc, tu n'as pas besoin de ta Rolex. C'est ce que tu es en train de dire. Oui, on n'a pas forcément besoin de... Mais en plus, il y a tout un tas de... Alors, ce qui est assez fou, c'est qu'il y a en plus une très grosse dynamique qui cherche énormément de choses. Il y a énormément de gens qui cherchent. Mais après, c'est très, très difficile à mettre en place, quoi. Mais il y a énormément de gens qui cherchent des nouvelles solutions, comment faire autrement, comment éviter de gaspiller, comment échanger, comment partager. Voilà, mais en fait, la réponse à ça, c'est véritablement des politiques de solidarité, quoi. Alors, un pendant de ce que tu es en train de dire, Pierre-Yves, c'est ce que tu as fait comme recherche, toi, Alain. Alors, si tu voulais nous parler un petit peu de la COP 28. Oui, je partage, disons, tout à fait ce que dit Pierre-Yves. Hein. Je crois que les COP se suivent, elles se ressemblent étrangement. C'est-à-dire, elles servent à rien. Hein. Y en a certains qui disent que c'est une réussite, d'autres sont un échec, mais en fait, elles servent à rien. Le temps passe et la concentration atmosphérique en CO2 s'accumule. Mais alors, on peut se dire, mais alors pourquoi ces COP ? Pourquoi on se réunit ? Eh bien, je crois que le capitalisme parle plus fort que les COP. Hein. Au niveau de, il est absolument pas dans la sagesse. Hein. La croissance est une fuite en avant suicidaire qui est subie par notre humanité. Le capitalisme nous impose une accumulation de marchandises, c'est ce que tu disais, hein, Pierre-Yves, hein, une accumulation de marchandises avec pour seul objectif le profit financier d'un nombre très limité de bénéficiaires. Hein. Tout cela dégénère, malheureusement, une décroissance formidable des espèces vivantes hein, et des conditions de notre vie sur Terre, une décroissance des droits des travailleurs sur leur lieu de travail, une décroissance à une alimentation de qualité, à des transports de proximité de qualité, à un logement isolé, c'est nos fameuses passoires thermiques dont on parle, hein, à un air de qualité, à des soins de qualité, à une éducation de qualité. Hein. Aujourd'hui, on le voit bien dans notre région, hein, pour trouver un médecin, ça devient difficile. Hein. Oui, hein. Alors ça, c'est ce que Boyard dit quand il dit le quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire que maintenant, on est en train de tout casser, et ça fait rien, quoi qu'il en coûte aux gens, en fait. Hein, voilà. L'usager paye les frais. Voilà. Et la première victime, je dirais, c'est surtout les milieux populaires. Bien sûr. Hein, puisque les riches, en fait, peuvent aller dans des soins privés et trouver les meilleurs médecins ou les meilleurs formateurs dans la culture, dans l'éducation. Hein. Donc pour nier cet état de fait, parce que le capitalisme fait désigner à la classe dirigeante un bouc émissaire. Et ce bouc émissaire, il naît toujours du poison qui nous menace de nous habituer à l'idée de l'inégalité naturelle. Hein. C'est-à-dire, on est proche du nazisme hein, à ce niveau. Oui, tout à fait. Hein, c'est ce qui conduisait le nazisme. L'immigré, alors la victime, ben, c'est l'immigré, c'est le chômeur, c'est le travailleur malade, hein, le mec qui veut rien foutre parce qu'il est malade. Hein. Et l'objectif de ce programme totalitaire, c'est la décroissance de nos droits élémentaires, la décroissance aux accès de biens et de services fondamentaux, la décroissance des conditions de vie tout simplement heureuses et paisibles pour chacun sur la Terre. La COP 28 réussit qu'au échec, on n'en a rien à foutre, qu'importe, elle n'est pas là pour trouver une solution au problème climatique, mais pour conforter une position politique, idéologique, philosophique, dominante, colonialiste, du monde à privilégier, c'est-à-dire le capitalisme. Demeurez, mais les gens inquiets et vigilants, car la COP 28 n'a rien à vous améliorer, ni votre position citoyenne, ni votre avenir d'humain, ni le climat. Alors, comment arriver à lutter contre la façon dont tout ça avance à marche forcée, hein, parce que bon, on nous explique qu'il faut une COP 28 parce que sinon on serait pas bon. Alors, est-ce que c'est en retournant les panneaux comme le font certains agriculteurs? Les collègues de la FNSEA et des JA, bon, en fait, leur colère est légitime hein, parce qu'il faut reconnaître qu'ils galèrent dans leur travail, que les revenus sont de plus en plus bas, que
C'est un métier qui est quand même assez difficile. Et pour eux, voilà, ils en souffrent vraiment. Hein. C'est pas des gens qui gagnent beaucoup d'argent qui font ça. Et bon, il y a des gens à la FNSEA qui gagnent beaucoup d'argent, mais c'est pas forcément ceux qui retournent les panneaux. Donc il y a véritablement une souffrance chez eux. Moi, je suis assez d'accord avec leurs revendications, entre guillemets. Enfin, on peut pas trop être en désaccord. Par contre, c'est sur la solution proposée hein, qu'on n'est pas du tout d'accord. Puisqu'en fait, eux, ce qu'ils veulent simplement, c'est soutenir les filières. Donc, ça marche pas pour le cochon, on va soutenir la filière cochon. Ça marche pas pour la patate, on va soutenir la filière patate. Puis après, ça marchera quelque temps. Puis quand ça marchera pas de nouveau, on recommencera à soutenir. Alors que à la Confédération paysanne, le projet est un peu plus sympathique, puisque lui demande de sortir l'agriculture des marchés. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait réussir, en fait, à un moment donné, à ce que l'agriculture, qui est un droit élémentaire, hein, c'est-à-dire que vous pouvez même pas imaginer, c'est pas comme des portables ou des chaussures, c'est-à-dire que vous pouvez pas imaginer vous passer une seule seconde de manger. Donc, pour que tout le monde ait accès à l'alimentation et que cette alimentation soit de qualité, bah, il faut la sortir des marchés. Ouais, parce qu'à la FNSEA, eux, en fait, leur revendication essentielle, c'est de baisser les taxes, quoi, en gros. Bah, c'est de baisser les taxes, c'est des fois, alors il y a la coordination rurale aussi qui est un peu dans ces mêmes idées, c'est, faire moins de normes, que tout soit un peu permis, etc. Mais l'idée, c'est de continuer dans les marchés. C'est-à-dire que l'agriculture, c'est des marchés, ça rapporte de l'argent. Et alors que on est encore dans l'histoire de mettre les gens en concurrence les uns avec les autres. Donc aucune question en fait sur le fond, sur par exemple les OGM, parce que par exemple c'est quelque chose qu'on voit venir qui est grave, sur le glyphosate, etc. C'est-à-dire que le glyphosate est reconduit pour 10 ans par les... Oui, mais à partir du moment où on ne sort pas l'agriculture des marchés, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on reste sur des projets de concurrence, on ne peut pas demander aux paysans de se passer du glyphosate. Le glyphosate, c'est un outil de l'économie... ultra-libéral, capitaliste, productiviste, je ne sais pas comment il faut dire, mais c'est quelque chose qui a servi à cette économie-là à se mettre en place. Ouais. Donc si on dit aux paysans, maintenant arrête de mettre du glyphosate, mais fais tout à la main ou mécanisé, mais qu'on ne change pas les choses, ce n'est pas possible. Donc, oui, si on ne change pas, ça veut dire qu'on nous empoisonne quand même, parce que quand on prend notre urine, on a tous du glyphosate dans notre urine, c'est-à-dire que c'est quand même quelque chose, on va crever comme les poings. Et puis on s'arrête qu'au glyphosate, il n'y a pas que le glyphosate, il y a tout un tas de pesticides qui sont utilisés. Mais encore une fois, on ne peut pas sortir ou s'affranchir les paysans des pesticides tant qu'on ne sort pas l'agriculture des marchés. Le combat, c'est véritablement de sortir l'agriculture des marchés. Les OGM, c'est le même. C'est pareil, c'est-à-dire qu'à partir du moment, alors en fait, la grosse idée de. Alors maintenant, c'est plus des OGM, c'est des NGT, je ne suis pas trop sûr. Enfin, je n'ai pas trop suivi le truc, mais c'est la résistance aux herbicides. C'est-à-dire que ce sont des plantes avec lesquelles on peut mettre du glyphosate dessus et elles supportent. Tu disais, Amélie, que en fait, ces nouveaux OGM. Alors, moi non plus, je n'ai pas retenu leur nom, mais bon, nouveaux OGM, ils sont un peu différents des OGM qu'on connaissait jusqu'à maintenant. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a un lobbying très important auprès de la Commission européenne pour que ces plantes-là soient considérées comme des plantes naturelles. Et à partir du moment où elles sont considérées comme naturelles, alors ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est que actuellement en France, on n'a pas le droit de cultiver d'OGM, je parle sous ton contrôle, Pierre-Yves. En revanche, on a le droit d'en importer, mais il y a un étiquetage qui est prévu, donc ça veut dire que toi, en tant que consommateur, tu peux savoir si tu manges des OGM ou pas, sauf s'il y en a moins que 0,9%. Voilà. Mais avec cette nouvelle loi qui est en train de se préparer à la Commission européenne, on n'aura plus... en tant que... Si c'est considéré comme des plantes naturelles, on n'aura pas besoin de faire des études sur la santé humaine ni sur les impacts sur l'environnement. Ça, c'est squeezé. Et deuxièmement, il n'y aura pas besoin non plus de l'écrire sur les étiquettes. Donc toi, en tant qu'individu, tu ne pourras pas savoir si tu manges des OGM ou pas. Et pire... Les agriculteurs bio et même les jardiniers ne pourront pas savoir si ce qu'ils sont en train de cultiver est OGM ou pas à cause de la pollinisation. Si on se fait polliniser son champ par du pollen OGM, on se retrouve avec des OGM. Donc c'est très grave ça. Moi je trouve que c'est vraiment... Dernière chose dont tu voulais parler, Pierre-Yves, c'est l'accaparement des terres, en fait. Oui, alors... dernier volet. En fait, nous, il y a un truc qu'on a du mal à quand même à mesurer. Puis l'Ardèche, en plus, on est un très mauvais élève, hein, puisqu'on est un des départements qui avons le plus artificialisé ces dernières années. Puis on a notre président de région qui s'est un peu... qui a voulu sortir du fameux plan zéro artificialisation nette, qui sera mis en place, je crois, en 2040, et qui est quand même pas non plus un truc terrible, mais bon, lui a voulu faire un peu du zèle là-dessus.
Bon, en fait, il faut quand même pas oublier que chaque jour, on perd encore des terres agricoles, des terres qui sont importantes, des terres nourricières. Et plus on va perdre de ces terres, alors, y a, et pour la biodiversité, je disais tout à l'heure qu'il y avait une absence de biodiversité qui était en, enfin, une biodiversité qui était en baisse. Et plus on va perdre des terres agricoles, et bien plus ça va être compliqué de trouver des modes de production qui soient vertueux. Donc il ne faut vraiment pas laisser la place et je vous invite vraiment à tout le monde à vraiment suivre ça de près parce que ça, aujourd'hui, et là en plus sur notre communauté de communes, on a un PLUI qui va se mettre en place et il faudra être très 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 vigilant. Voilà, à bientôt, soyez tous vigilants, surtout à cette extrême droite qui monte petit à petit, c'est la petite bête qui monte. Allez, à bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir.